Bonjour à tous et merci de nous recevoir sur Beni TV. Alors, vous êtes au 4e rendez-vous de votre émission Parlons Qualité, votre magazine d'information qui fait l'apologie de la démarche qualité en Côte d'Ivoire et en Afrique. Alors, pour ce numéro, nous parlerons des NTIC et de la démarche qualité en compagnie de deux experts. Aimé Kouadio, bonjour. Bonjour, monsieur Assé. Alors, Aimé Kouadio est le représentant Afrique de la société Blue Congo France. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je reçois également monsieur Ben Rouma Zied. Bonjour. Bonjour. Alors, Ben Rouma Zied est le gérant de la société SBS Consulting. Il vient de Tunisie. Oui, voilà, exact. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Merci, je remercie à vous aussi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre ensemble ce spot. Start-up, PME, PMI, grandes entreprises, comment démontrer la qualité de vos produits et services? La solution est toute simple, être certifié ISO 9001 version 2015, ISO 22000 version 2005 ou toute autre norme équivalente. Pour tout accompagnement à la certification, veuillez contacter le cabinet QSC Conseil, partenaire privilégié des entreprises, 6 à Cocody-Angry, 22e arrondissement, au 22 00 14 35 ou au 49 23 77 58. Garantir la conformité des produits et services, rationaliser les coûts, sécuriser les risques, une priorité pour votre direction. Disposez-vous cependant d'outils de pilotage à la hauteur des ambitions de votre entreprise, passez aujourd'hui à la vitesse supérieure. Blue Congo, éditeur français de solutions qualité, hygiène, sécurité, environnement, propose un logiciel nommé BMS pour gérer vos non-conformités, réaliser vos audits, assurer votre certification. Avec plus de 1,5 million d'utilisateurs et plus de 3000 clients aujourd'hui à travers le monde, le logiciel s'adapte à votre secteur d'activité. BMS répond à vos problématiques QHSE à travers l'agence ivoirienne en vous permettant de planifier et suivre en toute simplicité vos actions, gérer électroniquement tous vos documents même en multisite, gérer vous-même vos propres formulaires, gérer une cartographie des risques et suivi, piloter vos indicateurs et vos tableaux de bord en temps réel en apportant des arguments objectifs à votre hiérarchie. Contact plus 225 22 00 58 24 07 82 32 99 09 25 39 65. Email codivoire@boukango.com. Site internet www.boukango.com. Retour sur ce plateau. Comme je l'indiquais tantôt, nous recevons deux invités spéciaux. Très rapidement, Aimé Kouadio, vous allez nous décrire votre activité. Alors, je représente ici Blue Congo, qui est un éditeur de logiciels. Blue Congo est une entreprise française qui existe depuis 1998. Donc, nous avons plus de 15 années d'existence maintenant, avec plus de 3000 clients entreprises. Aujourd'hui, nous comptons plus de 1,5 million d'utilisateurs sur notre logiciel. Notre logiciel est spécialisé dans l'optimisation des systèmes de management de la qualité, de la sécurité, de l'hygiène et de l'environnement. Alors, nous sommes présents ici en Côte d'Ivoire depuis octobre 2013. Nous sommes dans notre deuxième année. Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs que M. Aimé Kouadio procédera tout à l'heure à la démonstration de ce logiciel-là pour permettre aux chefs d'entreprise qui nous regardent de pouvoir, si possible, prendre des contacts avec vous. Voilà, comme je l'indiquais tantôt, nous recevons aussi à cette émission M. Ben Rouma Zied qui nous vient de Tunisie. Très rapidement, présentation de SBS Consulting. Donc, SBS Consulting est une société d'assistance technique dans le domaine de la qualité dont je suis gérant. Je suis statisticien de formation, je suis docteur d'état dans les systèmes d'information de la faculté de sciences de gestion et d'économie de Sfax, Tunisie. Donc, je suis éditeur d'un workflow dans le cadre de la recherche de ma thèse de doctorat. Nos travaux étaient des travaux de développement sur une plateforme Qualitop. C'est récent comme produit, mais nous sommes à une vingtaine de clients sur la Tunisie et nous sommes en partenariat avec QSE Conseil en Côte d'Ivoire pour développer le produit qui vient de naître avec les nouvelles technologies workflow adaptées à Qualitop.
Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs que nous, avec les deux invités, nous aurons donc ensemble deux émissions. Et lors de la deuxième émission, nous parlerons avec vous de ce logiciel pour permettre à nos téléspectateurs de avec plaisir. Avec plaisir. Alors, je reste avec vous, Monsieur Zied. Alors, la démarche qualité en Afrique, on parle pour certains, j'allais dire pour certains pays, de seulement 3% d'entreprises qui adoptent la démarche qualité. Est-ce que vous pensez que, n'est-ce pas, cette nouvelle discipline, les Africains se sont appropriés cette nouvelle discipline? Oui, donc nous avons les deux casquettes. Moi, en tant que consultant qui accompagne les entreprises, et à la casquette d'auditeur, je suis auditeur IRK, qualité, sécurité et environnement, je peux vous donner le témoignage concernant les sociétés africaines qui, pour moi, dans un stade préliminaire, et qui nécessite beaucoup de travail pour être au niveau et surtout mettre en place ces systèmes d'une manière approfondie et non pas une simple documentation pour dire qu'on est qu'on gère cette documentation-là. De façon pratique au niveau de la Tunisie, les entreprises adoptent généralement la démarche qualité? Dans l'entreprise, on a à peu près 1000 entreprises certifiées ISO maintenant. Avec il y en a des entreprises qui ont même adhéré à des systèmes de management qualité, sécurité et environnement. Il y en a même des entreprises qui font le service pétrolier et tout ça. Mais il reste beaucoup de travail sur ce plan-là. Avec des laboratoires d'analyse et d'inspection. Exact. Exact. Il reste beaucoup de travail sur ce plan. En termes de ratio, très rapidement, en termes de ratio, est-ce qu'on peut avoir des chiffres? En termes des ratios, à quel niveau exactement? Le nombre de pourcentage d'entreprises certifiées en Tunisie? Je pense qu'on est à 25% d'entreprises certifiées en Tunisie. Alors, ce qui est vraiment différent du cas de la Côte d'Ivoire, Aimé Kouadio peut aussi certifier. La Côte d'Ivoire, on nous parle de moins de 3% d'entreprises certifiées, sinon qui adoptent une démarche qualité. Aimé Kouadio, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que les entreprises, n'est-ce pas, des pays du Sud s'intéressent à la démarche qualité? Ok, pour répondre à votre question, je dirais qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a quand même une dynamique. Et nous sommes à 3%, effectivement, d'entreprises certifiées sur plus de 1 600 entreprises. Mais il faut différencier la notion de certification et la notion de démarche qualité. On peut être bien en démarche qualité sans forcément aboutir à la certification. C'est un choix stratégique que l'entreprise fait. Si l'entreprise estime que en se certifiant à un référentiel international, ça peut lui permettre de pénétrer un marché, alors il va à la certification. Donc je voudrais que les uns et les autres comprennent que la certification n'est pas une fin en soi, mais c'est un choix stratégique. Voilà. Maintenant, à côté de cela, il y a des entreprises qui ont choisi de faire la démarche qualité sans pour autant aller à la certification. Donc ces entreprises aussi existent. Donc je dirais qu'ici en Côte d'Ivoire, effectivement, ça a été un peu lent avant de démarrer, mais aujourd'hui, nous sommes dans une vraie dynamique de la qualité. Les entreprises aujourd'hui commencent à s'intéresser véritablement à la qualité. Et c'est justement ce qui explique la présence de Blue Kango ici en Côte d'Ivoire. Oui. Ok, M. Kouadio, nous aurons le temps d'échanger et de parler des tics par rapport à la démarche qualité. Mais nous allons donc passer à la démonstration de votre logiciel. Mais bien avant, un spot d'annonce pour l'émission Parlons Qualité qui est diffusée chaque mardi à 19h55 et rediffusée le samedi à 10h35. Notre société contemporaine aspire à la qualité dans tous les domaines. La certification des produits et services est plus que nécessaire pour les entreprises publiques et privées modernes. Espace d'échange entre chefs d'entreprise, experts qualiticiens et consommateurs, Parlons Qualité est votre nouveau magazine dédié à la qualité sur BeniTV. À suivre tous les mardis à 19h55, rediffusion samedi 10h35. Parlons Qualité parce que la société moderne a besoin de qualité. BeniTV, The Blessing Channel. Alors, Monsieur Aimé Kouadio, nous sommes à vous, représentant Côte d'Ivoire de Blue Kango, éditeur français de solutions. Vous avez la parole pour la démonstration de votre logiciel. Ok, je vous remercie. Alors, ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est que Blue Kango propose une plateforme en mode SaaS, c'est-à-dire en mode software as a service. Ce qui veut dire que la solution est hébergée sur un data center chez nous ou chez un de nos partenaires. Et donc, le client ici abonne pour l'utilisation de la plateforme. Donc, c'est donc un abonnement. Pour y accéder, donc, vous avez simplement besoin d'une connexion Internet.
Et à partir d'un simple navigateur, vous accédez à la plateforme et vous commencez à travailler. On a opté pour cette solution pour mettre un peu les entreprises à l'abri de l'acquisition d'un serveur en interne. Pour une PME qui n'a pas de gros moyens, acquérir encore un serveur et l'entretenir, cela nécessite de gros moyens. Et donc, avec notre solution, le client n'a donc pas besoin d'avoir en interne un serveur. Il a simplement besoin d'avoir une connexion Internet, un petit débit, et pour accéder à notre plateforme. Donc, quand vous êtes client de la plateforme, on vous donne une adresse URL, qui est une adresse personnalisée. Et donc, les procédures de sécurité sont bien prises en compte. D'ailleurs, nos hébergeurs sont tous certifiés ISO 27001, qui garantit en fait la sécurité des données informatiques hébergées. Alors donc, quand vous êtes client de Blue Kango, on crée votre plateforme. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous signez un bon de commande avec nous, nous avons 72 heures pour produire votre plateforme et 5 jours de formation en interne chez vous, de sorte à ce que vous puissiez prendre la main sur le logiciel. Donc, la mise en route, elle est très rapide. Donc, au bout d'une semaine, vous pouvez commencer déjà à travailler avec votre solution. Alors, donc, quand vous êtes connecté, vous tombez sur une page d'authentification. L'autre avantage aussi avec notre solution, c'est que c'est un nombre d'utilisateurs illimité. C'est-à-dire que vous soyez 1000 salariés ou 3000 salariés ou 20 000 salariés. On a des entreprises qui sont à 30 000 salariés. C'est le même, c'est la même plateforme, vous payez pour le même montant. Alors, donc, vous avez donc la possibilité de créer autant de comptes utilisateurs pour vos différents salariés, puisqu'on estime que le management de la qualité est c'est une affaire qui doit concerner normalement tous les compartiments de l'entreprise. Donc, on ne doit pas limiter l'accès à un certain nombre de personnes, vu que voilà, ça doit être transversal. Donc, on donne l'accès à un nombre illimité d'utilisateurs. Vous pouvez donc créer autant de comptes utilisateurs. Et chaque utilisateur va se connecter avec son login et son mot de passe et tomber sur un portail. Ce portail-là est en fait un raccourci pour le ramener sur les applications qui le concernent. Parce que on peut y avoir plusieurs applications sur la plateforme, mais qui ne me concernent pas forcément. Moi, je suis par exemple à l'accueil, je suis chargé par exemple d'enregistrer les réclamations. Quand je tombe sur le portail, j'ai seulement en face de moi l'application qui me permet de gérer les réclamations. Celui qui est par exemple à la production, si je suis dans une industrie, alors il aura affaire aux applications qui concernent la production par exemple. Ceci pour ne pas trop embrouiller l'utilisateur, de sorte qu'il puisse avoir seulement accès aux applications qui peuvent l'aider à optimiser son travail. Et donc, le portail est subdivisé en deux grandes parties. Une partie centrale. La partie centrale, il y a des rubriques pour pouvoir, par exemple, présenter les indicateurs de vos différents processus, de vos différentes activités. On a un moteur de recherche qui vous permet rapidement de retrouver un document dans votre base de données, de sorte qu'on ne puisse plus perdre de temps à chercher un document. Et puis, il y a la rubrique des alertes qui permet de vous envoyer des alertes toutefois qu'il y a une notification qui vous concerne. Donc, sur votre portail, vous avez une alerte qui vous dit que, par exemple, il y a une réclamation qui a été enregistrée et vous en êtes le responsable du suivi, par exemple. Ensuite, on a également la rubrique des alertes documentaires, puisque le logiciel permet également de gérer électroniquement toute la documentation. Donc, quand vous êtes destinataire d'un nouveau document, vous avez une alerte de type nouveauté qui vous permet donc de visualiser le document que vous venez de recevoir. Et ensuite, on permet également une rubrique de communication qui va permettre de diffuser des informations parce qu'on le dit, la démarche qualité, c'est 80% de communication et 20% de mise en œuvre. Moi, je dirais même 90%. Et de part et d'autre, donc, ça, c'était la partie centrale. De part et d'autre, il y a donc les arches qui, en fait, sont les raccourcis pour vous ramener aux différentes applications qui vous concernent. Alors, j'explique le principe de Blue Kango. C'est que nous avons mis en place un formulaire dynamique. Ce formulaire dynamique, une fois renseigné, il informe des destinataires. Il informe des destinataires, soit pour action ou pour information. Il va alimenter un tableau de suivi, donc un tableau récapitulatif de tous les enregistrements qui ont été faits, excusez-moi. Et après, il génère par derrière des statistiques. Vous savez, en entreprise, la gestion de l'information est très, très capitale. On le dit, celui qui a l'information, il est le roi. Alors, l'outil vous permet effectivement de bien gérer l'information, bien gérer le cycle de l'information, de sorte que chacun puisse avoir l'information qui le concerne en temps réel. Voilà. Donc, puisque l'outil est en mode web, quel que soit l'endroit où vous vous situez, vous n'êtes plus désormais obligé d'être au bureau pour pouvoir
suivre votre activité. Donc, c'est très intéressant pour les directeurs d'entreprise ou pour les responsables, qu'ils soient en mission ou n'importe où dans le monde. Ils peuvent accéder à leur portail et déjà suivre les activités de leur entreprise. Donc, si je prends par exemple l'exemple d'un traitement de réclamation, hein, c'est un formulaire dynamique donc de traitement de la réclamation. Alors, chacun d'un simple clic va pouvoir enregistrer une réclamation. Une fois qu'il enregistre la réclamation, toutes les personnes concernées par cette réclamation sont informées en temps réel, soit sur leur portail, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également dans leur boîte mail, de sorte qu'ils puissent prendre connaissance de ce dysfonctionnement qui a été signalé et prendre par derrière les dispositions qu'il faut pour corriger la réclamation dans un délai très rapide. J'ai visité certaines entreprises où, pour traiter une réclamation d'un client, il faut une semaine, il faut deux semaines. À ce moment-là, la notion d'amélioration continue n'a plus sa place, parce que l'amélioration continue, c'est pour pouvoir prendre en compte les dysfonctionnements, étudier leurs causes et ensuite mettre en place des actions pour pouvoir les corriger et satisfaire le client par derrière. Mais s'il faut prendre deux semaines ou trois semaines pour traiter une réclamation, vous imaginez ce que cela peut causer comme désagrément chez un client. Et s'il s'agit par exemple d'un gros client, vous imaginez ce que l'entreprise est capable de perdre comme ressource. La qualité, ça doit normalement permettre à l'entreprise de pouvoir optimiser sur les coûts, réduire les coûts liés à la non-qualité et donc satisfaire durablement le client. Et donc, cette façon de traiter les dysfonctionnements en temps réel permet donc de gagner en efficacité et de gagner en temps. Alors, une fois que la réclamation est enregistrée, comme je le disais tantôt, elle va aller se loger dans un tableau récapitulatif de toutes les réclamations qui ont été signalées dans l'entreprise. De sorte que celui qui est en charge de la gestion des réclamations va pouvoir avoir un historique de l'ensemble des réclamations et par derrière, prendre des actions pour pouvoir les corriger. Et ensuite, l'outil va également vous permettre de pouvoir générer des statistiques sur cet ensemble de réclamations-là. Donc, on va avoir des statistiques sur les réclamations qui sont traitées, les réclamations qui sont en cours de traitement, les réclamations, par exemple, qui n'ont pas encore connu un début de traitement. Et pour chaque ligne, on peut donc lancer une action pour pouvoir corriger le dysfonctionnement. Et cette action va aller se loger dans un plan d'action global. Parce que on l'a vu aussi en entreprise. Aujourd'hui, pour les entreprises qui n'ont pas encore opté pour l'optimisation de leur système et qui gèrent encore avec des fichiers Word ou des fichiers Excel, le responsable qualité est obligé de gérer plusieurs plans d'action. C'est-à-dire un plan d'action pour gérer la qualité, un plan d'action pour gérer, par exemple, la sécurité, un plan d'action pour gérer l'environnement, et à un moment donné, il ne se retrouve plus. Notre outil vous permet donc de centraliser toutes vos actions dans un seul plan d'action. Et avec les filtres qui sont disponibles sur l'outil, vous avez donc la possibilité de trier vos actions par origine, de sorte à avoir un suivi plus optimal. Voilà, donc c'est ce que je peux dire d'entrée de jeu. Et l'autre chose que je pourrais ajouter pour terminer. Vous les audits. Voilà. C'est vrai que nous sommes en mode web et nous connaissons tous les réalités de chez nous. Je vais parler du cas particulier de la Côte d'Ivoire, où certains se disent, mais votre solution est en mode web. Et si je n'ai pas la connexion, ça veut dire que je suis bloqué. Plus besoin de paniquer, parce que nous avons développé une nouvelle appli, une nouvelle application qu'on appelle HTML5, qui vous permet d'accéder à vos applications en mode déconnecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je n'ai pas la connexion, je peux continuer à faire mon travail. Et une fois que la connexion revient, alors les informations se synchronisent. Donc, on a développé une appli hors connexion qui est accessible sur tablette ou sur smartphone, donc en mode mobilité. Voilà, c'est très adapté pour ceux qui font des audits, de sorte que vous puissiez être sur le terrain, dans une zone où vous n'avez pas forcément la connexion. Vous allez pouvoir réaliser votre audit, hein, faire votre checklist. Et après, quand vous captez la connexion, les informations vont se synchroniser dans votre base. D'accord. Et en temps réel, et envoyer par derrière les alertes et les mails aux personnes désignées. Ok. Voilà. Voilà. Donc, merci à M. Aimé Kouadio, représentant Côte d'Ivoire de l'éditeur français de solutions Blue Congo. Il vient donc de nous faire une démonstration sur un logiciel de cette entreprise française. Alors, ce qu'on retient, c'est que Blue Congo facilite les informations. Quand on sait qu'aujourd'hui, les informations sont considérées comme la matière même première du business, je pense que c'est une très bonne chose. Bon, au niveau de la sécurité, est-ce qu'on peut être rassuré, hein, au niveau de la sécurité?
Oui. Le phénomène de la cybercriminalité, par exemple. Oui, oui, effectivement. Quand on fait ce genre, quand on propose ce genre de solution, on n'a pas intérêt à lésiner sur la notion de sécurité. Je vous disais tantôt que nos hébergeurs sont certifiés ISO 27001. C'est une norme qui réglemente l'hébergement des informations. Donc, quand on dit que l'hébergeur est certifié ISO 27001, ça veut dire qu'il respecte tous les protocoles de sécurité en matière de gestion d'informations informatiques, de données informatiques. Voilà. Et en plus de cela, aujourd'hui, je vous ai dit que nous avons plus de 3000 clients avec lesquels nous travaillons, dans des grands groupes avec lesquels nous travaillons. Si je peux me permettre, je peux citer par exemple ici la SNCF en France. Donc, Blue Kango gère par exemple tout le parc ferroviaire de la SNCF en France. La SNCF, c'est plus de 30 000 salariés. Nous travaillons avec un grand fabricant de biscuits qu'on appelle Buffalo, voilà, qui a plus de 30 000 salariés également. Donc, ce sont des gens qui sont avec nous depuis plus de 15 ans. Voyez-vous, qui quand même ça demande du crédit hein, de votre voilà qui sont avec nous depuis plus de 15 ans. Si voilà, s'il y avait une faille, s'il y avait un problème de sécurité, je ne sais pas ce qui serait encore avec nous. Et puis en plus de cela, nous avons un taux de désabonnement qui est très inférieur à qui est très bas, qui est inférieur à 1,5%, ce qui veut dire qu'il y a quand même un taux de fidélité qui est très élevé, et donc nos clients sont très satisfaits de ce qu'on leur propose. Mais nous évoluons dans un environnement qu'on appelle... Certains. Non, nous évoluons dans un environnement qu'on appelle l'environnement HTTPS. Ok. Voilà, c'est un environnement hautement sécurisé. C'est le même environnement sur lequel vous naviguez quand vous avez votre carte bancaire et que vous faites des achats, par exemple, sur Internet. Donc, c'est un environnement hautement sécurisé. Donc, on retient que la sécurité est de mise de la part de votre... au niveau de votre... j'allais dire... de votre logiciel. De notre logiciel. Alors, comme indiqué concernant la rubrique qualité interne, nous serons donc en direct tout à l'heure avec un expert de France et nous l'appelons tout de suite. Voilà, il s'agit de monsieur Béda Vivien. Oui, allô, monsieur Béda. Alors, bonjour monsieur Béda. Oui, monsieur, bonjour. Alors, vous êtes en direct de Beni TV. Je suis Paul Alekouadio, présentateur de l'émission Parlons Qualité. Avec vous, nous allons échanger sur, n'est-ce pas, la démarche qualité au niveau des entreprises françaises. Ok. Alors, je vous remercie de cette opportunité que vous nous offrez afin de changer sur l'importance de la démarche qualité dans les entreprises occidentales. Donc, je ferai une communication relative sur l'actualité internationale au niveau des normes. Et le premier sujet que je vais aborder concerne un concours qui est organisé au niveau de l'Organisation africaine de normalisation pour mettre en exergue l'importance des normes dans l'émancipation et le développement des femmes en Afrique. Donc, c'est un concours qui est organisé par cette institution et qui a pour objectif de mettre en évidence la qualité rédactionnelle des femmes sur les sujets d'émancipation de la femme en lien avec les hommes. Voilà, c'est un concours qui est organisé, bien évidemment, au niveau de tous les États africains engagés dans des démarches de normalisation et qui sera donc dédié donc à la normalisation ainsi qu'au développement dans divers domaines d'activité, notamment des activités liées à l'agriculture, des activités liées à l'industrie de façon générale ainsi qu'au tertiaire. Ok, monsieur Béda Vivien. Oui. Consultant expert au niveau de Paris, est-ce qu'on peut avoir des informations, n'est-ce pas, sur la démarche qualité au niveau des entreprises françaises? À quelle proportion on peut estimer les entreprises certifiées et qui sont aussi à démarche qualité? Oui, effectivement, comme vous savez, aujourd'hui, en France, la démarche qualité est ancrée dans la culture de bon nombre d'entreprises. Dans tout secteur d'activité, des grandes entreprises comme des petites entreprises d'aujourd'hui, c'est un critère fondamental dans l'exécution des différents marchés. Nous pouvons estimer, selon les chiffres qui sont communiqués
par l'association Qualité France Performance, à plus de 50% des entreprises qui sont engagées dans la démarche qualité. Donc il y a ceci qui prend en compte des entreprises qui sont certifiées ISO et bien évidemment des entreprises qui sont engagées dans la démarche qualité et qui aspirent bien évidemment à la certification qualité. Voilà. Donc nous pouvons estimer environ plus de 50% d'entreprises qui sont certifiées ISO. Alors, merci monsieur Vivien Béda. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes consultant et expert en qualité et vous vivez à Paris. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir participé à l'émission Parlons Qualité. Merci beaucoup et bonne continuation. Alors, merci. Alors, monsieur Ben Roumazied, nous venons de l'entendre, un expert de qualité d'origine africaine nous parle d'un concours sur la qualité au niveau n'est-ce pas des pays africains. Alors un mot sur cette initiative pour amener les jeunes qui arrivent demain à pouvoir en créer cette culture qualité là. D'accord. Donc je vais vous parler un petit peu de l'expérience tunisienne en matière de management des systèmes qualité. Depuis l'année 1994-95, beaucoup d'entreprises, à travers des programmes de mise à niveau du ministère de l'Industrie, ont adhéré à des programmes de mise à niveau et des programmes de certification ISO subventionnés par l'État tunisien. Donc, c'est pour cette raison que les chiffres en termes de nombre d'entreprises certifiées en Tunisie est un peu plus élevé qu'ici. C'est parce qu'il y a cette subvention. Donc de la volonté politique. Et la volonté politique pour certifier ces entreprises. Sauf que nous avons constaté, comme je vous ai dit tout à l'heure, des anomalies de non-exploitation parfaite des exigences de la norme et avec la lourdeur de la documentation. Et tout. Qualitop, par exemple, en tant que solution tunisienne développée récemment, elle est là pour aider les entreprises à, si vous voulez, à répondre à ces exigences. Nous allons y revenir lors de la deuxième émission, puisque la prochaine émission est consacrée à la présentation de Qualitop. Donc nous allons y revenir. Monsieur Aimé Kouadioté, rapidement, un mot de fin sur, n'est-ce pas, ce que vient de dire monsieur Vivien Béda, qui nous a appelé depuis Paris tout à l'heure, un concours pour motiver tous les jeunes qui arrivent intégrer dans leur esprit la démarche qualité. Oui, toute initiative pour faire la promotion de la qualité est à encourager. Ici, en Côte d'Ivoire, on a l'association des qualiticiens qui fait un travail formidable. Et donc, ce concours, pour moi, est le bienvenu, d'autant plus que, comme je disais, nous sommes dans une dynamique où de plus en plus on parle qualité ici en Côte d'Ivoire. Et c'est de bonne guerre. Toute contribution serait la bienvenue. Et donc, je remercie M. Béda. Et il m'a fait rappeler quelque chose lors d'un stage que j'ai effectué pendant mon séjour en France dans une entreprise. J'avais un petit questionnaire dans lequel il y avait une question qui demandait, par exemple, quelle est la place du service qualité dans l'entreprise et est-ce qu'il était concevable qu'il y ait une entreprise sans service qualité. Et je vous dis, 97% des réponses revenaient qu'aujourd'hui, il est impensable en France qu'il y ait une entreprise sérieuse sans un service qualité. Vous voyez, alors que chez nous ici encore, on ne comprend pas encore la nécessité d'avoir un service qualité dans une entreprise. Vous voyez un peu le gap. Mais je crois que de plus en plus, le message commence à passer et donc de telles initiatives va naturellement permettre à encourager les donneurs d'ordre et les chefs d'entreprise à s'engager véritablement dans une démarche qualité parce que c'est dans leur intérêt. Ok, je pense que les décideurs publics ont déjà emboîté le pas en adoptant la loi, n'est-ce pas, de 2013. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais juste avant, n'est-ce pas, le mot de fin, nous passons à ce spot. Garantir la conformité des produits et services, rationaliser les coûts, sécuriser les risques, une priorité pour votre direction.
Disposez-vous cependant d'outils de pilotage à la hauteur des ambitions de votre entreprise. Passez aujourd'hui à la vitesse supérieure. Blue Kango, éditeur français de solutions qualité, hygiène, sécurité, environnement, propose un logiciel nommé BMS pour gérer vos non-conformités, réaliser vos audits, assurer votre certification. Avec plus de 1,5 million d'utilisateurs et plus de 3000 clients aujourd'hui à travers le monde, le logiciel s'adapte à votre secteur d'activité. BMS répond à vos problématiques QHSE à travers l'agence ivoirienne en vous permettant de planifier et suivre en toute simplicité vos actions, gérer électroniquement tous vos documents même en multisite, gérer vous-même vos propres formulaires, gérer une cartographie des risques et suivi, piloter vos indicateurs et vos tableaux de bord en temps réel en apportant des arguments objectifs à votre hiérarchie. Contact plus 225-2200-58-24, 07-82-32-99, 09-25-39-65. Email codivoire@boukango.com, site internet www.boukango.com. Alors, parlons qualité pour ce jour, c'est terminé. Je rappelle pour nos téléspectateurs que nous recevons nos deux invités pour la prochaine émission pour bénéficier encore de leur expérience. Nous étions avec Monsieur Aimé Kouadio, représentant Côte d'Ivoire de la société française Blue Kango. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Monsieur Assé. Monsieur Ali. Hein? Monsieur Ali. Ok. Et nous étions également avec Monsieur Ben Rouma Azied, il est le gérant de la société CBS SBS Consulting Innovier de Tunisie. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Et la Côte d'Ivoire et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est qui nous suivent s'associent à la Tunisie par rapport aux événements qui sont passés dans votre pays. Et nous disons que nous sommes Tunisiens. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, très gentil. Alors, quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission, n'est-ce pas, de Parlons Qualité, mardi 19h55, rediffusion samedi 10h35. Sur ce, bonne suite du programme sur BeniTV.